Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'alimentation. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée depuis Mathusalem, hein. Vraiment ça fait très très longtemps qu'on me l'a réclamée, donc je la fais enfin aujourd'hui. Ça m'a demandé un petit peu d'organisation quand même pour ne pas oublier de tout filmer, mais aujourd'hui je vous filme une journée dans mon assiette. Donc vous allez découvrir tout ce que je mange sur une journée. C'est une journée lambda, donc surtout n'essayez pas de m'imiter à la lettre, de manger exactement la même chose que moi et dans les mêmes quantités, tout simplement parce que déjà je mange pas la même chose tous les jours, hein, ça c'est évident. Et surtout parce qu'on n'est pas pareil, hein, tout simplement on n'est pas la même personne. Donc vous n'avez pas le même corps que moi, vous n'avez pas le même métabolisme que moi, vous n'avez pas la même vie tout simplement, donc la même activité physique. Donc je fais quand même beaucoup de sport à côté de ça, donc c'est vrai que si je faisais moins de sport, je pense que je mangerais en quantité moindre, mais voilà. Donc vous allez voir un petit peu les différents repas que je prends, vous allez voir que je mange assez fréquemment et en quantité assez importante. Je vous ai mis à chaque fois pour chaque repas grosso modo les calories à quoi ça correspond, donc c'est vraiment à titre indicatif. Je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je vous le rappelle, les calories pour moi c'est quelque chose que je compte pas, tout simplement puisque j'essaie vraiment de me fier à mon instinct et à mon appétit. Donc quand j'ai faim je mange tout simplement, et quand j'ai pas faim ben je mange pas autant. Donc c'est pour ça qu'il y a des jours où je fais plus de sport, où j'aurai plus faim. Donc essayez de faire la même chose, essayez vraiment de vous baser sur votre appétit et ensuite d'adapter les quantités de nourriture en fonction de ça. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo et puis écoutez, bon appétit, puisque moi je pense que vous allez me retrouver au moment du petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, déjà il faut savoir que je me lève tous les matins environ entre 8h et 9h30, donc c'est vrai que par rapport à mon rythme de vie qui est comme il est, ben je me lève un petit peu plus tard que la normale, mais ça ne m'empêche pas de prendre un petit déjeuner. Donc dès que je me réveille, au saut du lit, je vais prendre une bouteille d'eau d'un demi-litre que je vais boire lentement, tranquillement, pour bien hydrater mon corps après une longue nuit de sommeil. Donc ça c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde, de boire de l'eau comme ça à jeun le matin, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, donc je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, mon petit déjeuner, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais voilà, je mange 4 galettes de maïs ou de riz, donc sans gluten. Dessus je vais étaler de la purée d'oléagineux, donc le plus souvent c'est cacahuète, mais ça m'arrive de prendre noisette, amande ou bien même sésame, puisque je trouve que c'est vraiment super bon. Par dessus ça je mets quelques rondelles de banane, donc c'est l'équivalent à peu près d'une banane et demie ou de deux bananes en fonction de la grosseur des bananes. Et puis pour la purée d'oléagineux, je dirais que ça correspond à peu près à 4 cuillerées à café. Une fois que j'ai terminé de déguster mes galettes de maïs, j'aime bien prendre un petit déca. Donc je prends du décaféiné, une tasse de décaféiné soluble que je mélange avec de l'eau et du lait de soja. Donc ça c'est souvent en hiver que je le fais, en été je le fais moins souvent. En hiver c'est vrai qu'il fait plus frais, donc j'aime bien me réchauffer le matin avec un déca. Donc c'est assez agréable et le lait de soja passe très très bien, hein, et je vous le recommande. Arrivé le midi, quand je commence à vraiment avoir faim, donc c'est le moment de manger. Donc là vous me voyez pour le petit déjeuner, ce midi j'avais pris une bonne plâtrée de riz avec des lentilles et un petit rougail de tomates et de poivrons. Donc vous aurez la recette sur ma chaîne de recettes, enfin les deux recettes, hein, pour les lentilles et pour le rougail, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à essayer, ces deux recettes sont super bonnes. Donc avec ça je faisais vraiment le plein de vitamine C, de fer avec les lentilles qui étaient assimilées avec la vitamine C du rougail. J'avais le plein de protéines parce que c'était riz plus lentilles, donc c'était un repas très complet. Vu que j'allais faire du sport juste après et que c'était quand même une assez grosse séance, j'avais besoin de bien manger et c'était un repas très consistant, très 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 bien juste avant une bonne séance de sport. Donc juste histoire que vous fassiez une petite idée, en fait au sport j'ai fait ma musculation pendant à peu près 20-30 minutes et ensuite j'ai fait 30 minutes de footing sur le tapis de course. Donc grossièrement j'ai calculé, ça fait environ entre 450 et 500 calories brûlées pendant l'effort. Donc ceci explique cela, pourquoi j'avais un repas aussi consistant et pourquoi j'avais besoin ensuite, donc pour le goûter, d'avoir quelque chose de plein de glucides. Donc là vous voyez pour le goûter que j'avais pris des kakis. Donc malheureusement ils n'étaient pas super mûrs.
Je pense que c'est la variété qui veut ça, j'en ai eu des bien meilleurs. D'ailleurs, il y en a qui m'attendent dans une nouvelle barquette, je pense qu'on va se régaler. Mais donc ces kakis-là, ils étaient un peu moins mûrs, donc un peu durs, un petit peu noirs à l'intérieur, mais ils étaient super sucrés, donc ça c'est vraiment idéal après le sport, de faire le plein de glucides, donc avec du sucre de fruits qui rentre directement dans les cellules, et ça permet de nourrir le muscle et se remettre d'un effort. Donc ensuite, une fois que j'ai mangé ça, il se passe un certain temps entre mon goûter et mon dîner, et c'est pareil en fait le matin, parce qu'il y a des matins où je vais me lever un petit peu plus tôt, là c'était pas le cas aujourd'hui, mais il y a des matins quand je me lève un peu plus tôt, et ben j'aurai faim entre le petit déjeuner et le déjeuner, comme je peux avoir faim entre le goûter et le dîner. Donc pour ces laps de temps où je vais avoir faim, je vais me faire des snacks, des encas. Donc le plus souvent ce sont quelques fruits, ça peut être des kakis, ça peut être des clémentines, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et ça peut être aussi des fruits secs, donc par exemple des amandes. Donc ça m'arrive de manger des poignées d'amandes, donc là vous voyez en exemple une poignée d'amandes, ça vous représente à peu près ce que je vais manger en encas, donc pour ces petits moments où j'ai faim. Ensuite vient le moment du dîner. Donc ça c'est pas du tout quelque chose que je mange tous les soirs, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je mange tous les soirs en ce moment. Vraiment, j'ai envie de faire le plein d'énergie, le plein de sucre, je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas, c'est comme ça et j'aime bien suivre mes envies en fonction des moments et des journées. Et donc là en ce moment j'aime prendre des smoothies le soir. Donc là en fait j'ai mis des bananes, j'ai mis un petit peu de purée d'oléagineux, j'ai mis un petit peu de mangue surgelée. Donc ça c'est vraiment pratique, d'ailleurs je vous invite à aller dans vos magasins de surgelés, même dans les grandes surfaces, d'acheter des fruits comme ça surgelés, ça vous permet d'en avoir en rab au cas où. Vous pouvez faire un smoothie avec des fruits surgelés, vous pouvez les mettre dans des gâteaux, faire des desserts à base d'agar-agar, et vous mettez vos fruits surgelés, c'est super sympa. Donc là c'était un bon gros smoothie, plein d'énergie, j'ai même mis des épinards pour avoir un peu de fer assimilé avec la vitamine des bananes et de la mangue. Et c'était vraiment délicieux, donc ça me faisait une grande tasse, ça fait à peu près 750 ml. Et c'était vraiment un régal. Voilà donc pour ce super dîner. Une fois que j'ai dîné, le temps est passé, je dirais à peu près 2 heures, puisque j'essaie de manger, enfin je ne mets pas de chronomètre, hein, mais c'est vrai que en fait toutes les 2 heures je vais être amenée à manger quelque chose. Ce sera parfois un encas, ce sera parfois un gros repas. Là, c'est l'encas du soir. Donc en ce moment, il y a plein de clémentines, c'est la saison. Donc on en achète toujours plein. Et là, j'ai mangé des clémentines donc pour le dîner. Donc devant ma série à la télé, je regardais ma série. Et en même temps, je mangeais des clémentines juste avant d'aller dormir. Ne croyez pas que la vitamine C le soir, ça empêche de dormir. C'est pas vrai. Hein. Je crois que c'est plutôt le café qui empêche de dormir. Donc la vitamine C, c'est super bon pour la santé. Ça empêche d'avoir des rhumes en hiver. Et en plus, les clémentines, c'est rempli de calcium. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions par rapport aux quantités ou des questions par rapport si vous avez envie d'avoir un petit peu des variantes de menus, comme ça je pourrais peut-être faire un article sur le blog pour vous partager un petit peu différents menus que je mange selon les jours. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos impressions par rapport à tout ça, ou à me poser des questions s'il y a quelque chose qui vous perturbe ou quoi. Mais voilà, donc une journée dans mon assiette, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao !